Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done on my drink at this pace. If I had an option to be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. C'était quoi qu'il disait, monsieur, par rapport c'est quoi, c'est droit et pas droit, lui? Actifié. Ah ouais. Un carnage actifié ou pas actifié? En gros, à l'aspect, c'est plus joli quand c'est rectifié parce que c'est droit. Du coup, ça se voit moins que c'est du carrelage. Tandis que quand c'est pas rectifié, c'est un petit peu arrondi. Ils attaquent des joints, ils vont se faire des joints super fins en rectifié. Ah oui, voilà. Ils vont prendre moins les joints, mais ça fait vraiment effet partout. Du coup, je pense qu'on va plus partir vers un truc rectifié comme là, je pense. Ouais. Vous voyez, là, c'est pas arrondi, c'est droit. Comme ici. Du coup, là, en fait, les joints, on peut le faire super fin. Tu préfères lesquels, là? Là, comme ça, moi... Ah. On dirait un marron clair. Ouais. Limite tous les gris et tous les noirs. Mm. En fait, j'aime bien quand on voit les deux comme ça, par effet, tu vois? Ouais. J'aime bien, ça fait vrai beau, là, aussi. Et lui, il est bien carré. Moi, je pense plus celui du milieu. Ouais. Ouais, pareil. Ici, il y en a aussi en chevron. Celui-là, c'est le plus joli, on a tout regardé. C'est ceux qui sont en photo, de toute façon, au-dessus. Ça paraît plus foncé à l'écran. Mais là, la couleur, elle est quand même plus froide que ce parquet-là, par exemple. Enfin, cet effet parquet-là. Mais ouais, sinon, il y a tout ça. Il y a vraiment du choix ici. Et en fait, il y a des promotions. Je crois que sur certains trucs, il y a un mètre carré acheté, un mètre carré offert. De faire un devis pour le bas, du coup là ce serait pour tout le bas sauf la buanderie, et on est à 2002 à peu près pour 72 mètres carrés à peu près, pour 79 mètres carrés, voilà, parce qu'il met rajoute 10% de perte. Voilà, donc ça ce serait pour celui que je vous ai montré tout à l'heure qui est au milieu là-bas. Je vous remettrai la photo à l'image, mais ce serait pour celui-là. Bon, comme d'habitude, on l'aura sûrement déjà fait ou déjà commandé entre deux, mais dites-moi ce que vous pensez dans les toilettes du bas, si on met celui-là ou le même que dans la buanderie, c'est-à-dire un effet marbre, que pour les toilettes du bas. On sait, vu que c'est une petite pièce, on ne sait pas si ça ferait bizarre de changer comme ça dans l'entrée. Ouais, pour juste 2 mètres carrés. Ouais, je sais pas. Non, je pense que c'est tout pareil. Ouais. Ouais, là du coup on regarde un petit peu pour la buanderie. Celui-là par exemple je le trouve quand même joli. Je préfère les rainures sur celui-là. Mais je sais pas si vous le voyez, il est plus gris, il est moins blanc en fait. Et comme c'est une buanderie, j'aimerais bien que ça fasse vraiment un effet propre, vraiment propre. Du coup là c'est un petit peu trop gris. Mais je préfère les rainures de celui-là avec le fond de celui-là. Elles font leur vie tranquille. Depuis tout à l'heure, elles se baladent à droite à gauche. Ah ouais, celui-là est... Il y a un blanc, il est blanc. On voit, quand tu regardes comme ça, tu vois 60-60. Ah, trop de nervures. Ouais. Ah, ça va, c'est pas possible. Attends, il y en a des autres. Là, bien blanc, il est écrit blanco. Non, c'est... Ouais, non. Après, celui-là, il est joli. Il est joli, celui-là. Il est pas blanc, hein. Ouais. C'est exactement le même que là. Bah ouais. Trop nervuré. Ouais.
Et ta petite lanterne, tu cherches quoi? Celui-là, il a l'air pas trop mal. Bah, celui-là, c'est vraiment mon préféré pour l'instant. Comparé à tout à l'heure, en fait, ce qui le différencie, c'est qu'il est mat, celui-là. Et ceux-là, ils sont brillants. Mais c'est vrai que ce qu'il disait Romain, c'est pas bête, c'est que le parquet, du coup, sera mat. Et le fait de passer à la buanderie, que ça soit brillant, peut-être que ça contrastera trop. Bah, il est pas mat, mais c'est du parquet. C'est parquet, ouais. Donc c'est pas brillant. J'aime bien. Je vous parle depuis tout à l'heure, mais je sais même pas si vous m'entendez bien. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez derrière moi, je suis revenu sur le chantier. Du coup, aujourd'hui, on a rendez-vous avec une cuisiniste. Je suis trop contente, j'adore. Je suis trop pressée parce que j'adore la cuisine. C'est chiant. C'est moi qui ai choisi. Parce que Romain, il peut rien choisir. On est le jeudi 7 avril, là on a rendez-vous aujourd'hui avec le cuisiniste, donc on s'est donné rendez-vous directement à la maison. On a pris tout ce qui est plan, etc. Et puis on avait dessiné, je vous montre, on avait dessiné un peu, hein ? On peut pas tout. On avait dessiné un peu ce qu'on a prévu pour voir avec lui ce qui est possible ou pas. Et on a tout noté pour ne rien oublier. Enfin bref, de toute façon, ouais, je vous montrerai mieux en détail. On a pris le plan de la maison et on verra, ouais, en fonction de la taille qui nous reste. Parce que pour rappel, ça partira à peu près de là jusque là à peu près. En sachant qu'on aura une porte, prendra de l'espace aussi pour aller juste pour aller dans la buanderie juste derrière. Donc, à voir. Ensuite, on est parti en vacances. Logique. Mais les travaux ont commencé. Et attention, gros changement. Là, ça y est, les Velux ont été installés dans les salles de bain. Donc, il y en avait un ici. Là, il y aura la baignoire. Donc là, on a la douche. Et ici, on aura le meuble de salle de bain. Et ça, c'est la grande salle de bain, du coup, des filles. Et dans la nôtre, le Velux a été installé aussi. Juste là. Donc là, c'est un petit... Là, ça, hop. Niveau luminosité, ça change quand même. Ça change tout. Et là, on se pose des questions parce qu'en fait, sur les plans, comme je vous l'ai dit, on se rendait pas trop compte des dimensions et tout. Là, on pensait que ça allait être plus fin. Du coup, on s'était dit qu'on allait faire genre des niches, tout des tablettes pour du rangement. Mais du coup, comme là, c'est assez long, ici, il y aura un mur. Donc, je pense qu'on ouais, on va mettre des rangements là, mais enfin, au niveau de l'aménagement d'espace, on ne sait pas encore trop exactement. Donc, si vous avez des idées par rapport à ce coin-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ouais, là, on se pose des questions pour ici. Et pareil pour l'autre salle de bain, comme je vous l'ai dit. En fait, même système. Ici, on voulait mettre des planches, donc on va le faire parce que là au niveau de la largeur c'est très bien. Donc là je pense qu'on va en mettre une là, une là, une là, et en bas là on a la trappe, donc là je pense que ce sera pour les bacs de linge, et là il y aura la baignoire. Donc voilà, je pense qu'ici on sait, mais ouais, si vous avez des idées pour l'autre salle de bain, dites-le nous parce que là je suis un peu perdue. Et niveau des changements aussi ici, à la base là il y avait la porte de la chambre de Lou, là la porte de la chambre de Jade, et là la porte coulissante de la salle de bain. Donc celle de Lou elle bouge pas, mais celle de Jade on va devoir la décaler juste ici, tuk tuk, parce que tu peux pas fixer le bâtiment pour rentrer dans celui-là, parce que c'est là où la porte elle va rentrer. Ah oui, exact. Donc voilà, petit changement. En soi, juste visuellement, ça aurait fait plus propre comme ça, mais ça change rien. De toute façon, ça c'était un peu un espace perdu, ça faisait juste un petit couloir pour rentrer dans la chambre, mais en soi, elle aurait rien fait de spécial, elle aurait rien gagné de plus avec ça, quoi. Donc voilà, pour l'instant où ça en est au niveau de l'étage, et en bas, ça a pas trop changé. Là d'ailleurs,
que l'escalier a été décalé, mais ça fera pas cette, mais ça fera pas cette largeur là. C'est juste pour eux. C'était plus pratique de faire comme ça, peut-être pour monter des trucs et tout. Mais ouais, la largeur, elle restera pas comme ça. C'est bon, on est arrivé à la maison là. Il y a quelques petits changements. Enfin, il y a des petits trucs comme ça à droite à gauche. Des trucs qui font se poser des questions encore plus. Mais ouais, on va trouver. Il y a quand même eu des améliorations. Il y a les Velux qui sont arrivés. On n'avait pas encore. Et je vous montrerai ça la prochaine fois. Mais ouais. En fait, quand tu construis, enfin, quand tu. Là, les murs, ils étaient déjà là. Mais en soi, c'est un peu de la construction à l'intérieur. Sur plan et en vrai, ça rend tellement la même chose. Il y a des pièces, j'avais l'impression que sur papier, ça faisait petit. En vrai, c'est grand. Et pareil pour l'inverse. Sur papier, ça me paraissait grand. Et en vrai, c'est petit. Mais bon. Je suis quand même hyper contente. Et j'ai tellement hâte que ça avance encore plus. Genre, vraiment. Trop, trop hâte. Et je vous filme tout ça de toute façon pour vous montrer. Dès qu'il y a un petit changement, des petits couacs et tout. Enfin, je vous montre tout. Et voilà. Bon, là, il est quand même déjà. Il est quelle heure, Romain ? Il est quelle heure ? 17h20. Donc là, les filles sont en train de jouer dans le jardin. Et en bas, ouais, il n'y a rien qui a changé. Mais j'ai mal au bras. Mais ouais, là, bah, c'est tout. Après, on va rentrer. Hein. Et après, on va rentrer, c'est tout. Ouais. C'est en avis. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Bon, c'était pas prévu qu'on passe ici. Du coup, j'ai pas pris mon micro. J'espère que le son, ça ira. Mais on est le 31 mai. J'ai mes gouttières, donc si je parle bizarrement, faites pas attention. Mais oui, on est le 31 mai. Là, ça a déjà bien avancé. Je suis... Enfin, de toute façon, là, le moindre changement, ça change vraiment fort. Donc là, on est encore à l'étage. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a changé et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je sais pas si ça sera fait d'ici à ce que vous voyez la vidéo. Je sais même pas quand est-ce que je vais sortir tout ça. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous auriez fait, qui aurait été pratique ou quoi que ce soit. Enfin bref, donnez-moi vos avis parce que là, il y a des moments où je suis un peu perdue. Bon, là, il commence à faire sombre, mais vous voyez un petit peu quand même. On a ramené quelques lames du parquet pour voir un petit peu ce que ça donne et je l'aime toujours autant. Je trouve trop trop beau. Bon, maintenant on va aller voir en bas parce qu'il y a eu quelques petits changements et je me suis rendu compte que la buanderie était gigantesque. Même l'espace en bas en fait, super grand. Mais c'est ce qu'on se disait avec... Attendez. C'est ce qu'on se disait avec Romain. On a trop hâte qu'il fasse l'ouverture de la baie vitrée ici parce que... Ça va tout changer. Donc là, regardez. Tout ça, ce sera la buanderie. Et du coup, tout ça, ce sera le mur de la cuisine. Donc c'est bien, je suis contente, ça sera grand. Et là, c'est l'entrée. Là, il y a la porte d'entrée. Et là, au niveau du rail, ce sera les toilettes. Là-bas, il y a un petit renfoncement, on fera des rangements. Là, il y a celui-là. Et ça, c'est l'entrée. Il veut garder la petite console, je sais pas comment ça s'appelle, la petite étagère qu'on a dans l'entrée, vous savez. Style industriel, mais je trouve que ça ira pas du tout avec le reste. Très bien. On va pas tout changer. Pas tout de suite. Jamais. Elle est très solide, elle est très bien. Je peux la revendre pour en acheter une autre, c'est lourd. Je fais ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire, comme vous voyez. Hop, là c'est comme ça. Donc là, il y aura la porte pour entrer dans la partie salon, etc. qui sera en verre avec un contour noir. Et là, il y aura la porte de la buanderie. Et là, il y aura la cuisine. Donc tout là, il y aura l'îlot. Et la table à manger, elle sera à peu près là, dans ce coin-là. Et la télé, elle sera là-bas. Et du coup, là, il y aura espace salon. Moi, j'ai encore du mal à me rendre compte des dimensions là, de que ça donnera vraiment par rapport au canapé et tout, de l'espace qu'on a, genre la place qu'il faut prendre, etc. Enfin, j'ai mal à me rendre compte. Je suis habillée n'importe comment, faites pas attention. Bref, là, on est dans l'escalier. Pour rappel, on monte là-bas en vrai. Touk. Voilà, là. Hop. Changement. Ce mur-là a été posé, donc ça, c'est cool. Et là, du coup, il y aura la porte coulissante de notre chambre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais là, pour l'instant, c'est surtout ici que je me posais des questions. Donc là, en gros... Ça donne ça. Ici, je sais pas si on voit les marques au sol. À peu près ici, quoi. Ici, on aura en fait les rangements de Romain, surtout. Donc là, il y aura une colonne, hop, comme ça, avec des petites étagères pour ranger tout ce qui est pantalon, t-shirt et tout. Et à côté, il y aura une ou deux tringles, je sais plus exactement. Jusqu'ici. Donc là, ce sera fermé au niveau du truc en bois. Ça fera touc, touc. Franchement, si vous comprenez, bravo à vous. Et là, vous voyez le trait, donc on va faire un petit rebord, genre pas très large, juste de quoi poser les téléphones, parce qu'il y aura les prises au-dessus, comme ça on a de quoi quand même poser nos téléphones et tout, si jamais on met pas de table de chevet, au moins ça reste quand même pratique, et ça sert un petit peu en même temps de tête de lit,
Vu que là, le lit sera à peu près là, comme ça. Plus là-bas, il y aura un interrupteur pour pouvoir éteindre la lumière quand on est dans le lit directement. Donc voilà. Franchement, c'est un peu compliqué à expliquer, surtout que au téléphone, à la caméra, ça rend pas trop pareil. Et puis ça paraît tellement petit à la caméra. Je suis contre le mur. Donc là, vous voyez ça, c'est pas centré. En fait, là, c'était centré par rapport à je sais plus quoi. Mais on va le centrer par rapport au lit et même par rapport à la pièce. Donc ça restera de la même largeur, mais décalé. Si vous voyez le trait là, tuk tuk, ce sera décalé comme ça. Donc ça déjà, ce sera beaucoup mieux. Ici, on aura du coup... attendez. On aura un mur en fait, un petit muret ici, un rebord de mur pour pouvoir mettre là, ici, une tringle pour pouvoir mettre tous les manteaux et tout. Enfin, plus haut, hein, mais je veux dire, sur ce mur-là, il y aura une tringle pour les manteaux, les robes longues et tout. Et là, comme vous le voyez, je vais mettre une étagère, comme ça je vais ranger, je sais pas, tout ce qui est sac, enfin les petits accessoires comme ça. Mais là du coup on a calculé ça comme passage, donc là je vais essayer de trouver des rangements, ou bien peut-être que je vais faire un rebord comme ça. En tout cas je me suis dit que cette partie j'allais l'utiliser pour les chaussures, en sachant qu'en bas il y aura aussi dans l'entrée un truc pour tout ce qui est chaussures et tout. Donc ouais, là il y aura ça, et ici il y aura deux petites tringles, donc là ce sera la séparation au milieu, pour mettre une tringle ici, une tringle là-bas, parce que une longue, franchement le niveau du poids, je crois que ce serait pas très équilibré, oui. Et au-dessus, sûrement une planche pour poser des trucs. Là, dites-moi, parce que je me suis dit que j'allais garder cet espace pour mettre juste un grand miroir, vu que là, dans le dressing, du coup, il n'y a pas trop d'autres endroits pour le mettre. Donc, je me suis dit, un espace miroir, mais Romain dit que ce serait mieux d'optimiser et de profiter encore plus de l'espace qui reste sur ce mur pour avoir encore plus de rangement. Donc, dites-moi, si vous, vous mettriez un miroir en sachant que, du coup, on a des rangements là, là et là, ou est-ce que vous feriez encore plus, ou est-ce que vous... Je sais plus ce que j'ai dit. Un miroir ou des rangements. On passe ensuite à la salle de bain. C'est très brouillon, mais je me perds moi-même un petit peu, donc j'espère vraiment que vous comprenez. Donc on est dans la salle de bain. Ici, on a la douche. Ici, on aura le sèche-serviette. Là où on se pose des questions, c'est que comme vous le voyez, en fait, ici, on va mettre des étagères. Sauf qu'à la base, on s'était dit qu'on n'allait pas faire des étagères jusqu'au bout, parce que ce serait très long. Mais après, je me suis dit qu'un rebord là, comme ça, ce serait bien pour poser tous mes produits, peut-être dans des petits bacs et tout, parce que je sais pas où d'autres je vais les ranger. J'ai pas envie de faire des placards fermé, vous savez, avec des portes coulissantes, parce que Romain m'a dit que ça coûtait une blinde, enfin que ça coûtait quand même cher, et puis ça plus ça plus ça plus ça, faut quand même faire des concessions. Donc je me suis dit qu'un petit rebord pour poser mes produits, ce serait largement assez. Comme ça, on s'arrêterait à peu près là, au niveau du petit truc, pour le rebord. Là, il y aurait cette étagère-là, en dessous, il y aurait les bacs à linge, et là, d'autres étagères pour tout ce qui est serviettes, des produits, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si on fait bien ça comme ça, si au niveau du rebord, c'est nécessaire ou pas pour vous. Enfin, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. En sachant qu'ici, il y aura du coup la vasque. On va pas mettre de double vasque parce que c'est pas assez grand. Mais on va mettre quand même une grande vasque. Et au-dessus, on va essayer de trouver un miroir sur mesure. Parce que à la base, je voulais en mettre un rectangle, vous savez, avec la lumière derrière, comme dans les hôtels. Sauf que là, on n'a pas la place. Donc, on va juste en mettre un sur mesure. Si vous avez des recommandations, d'ailleurs, n'hésitez pas. Et on rajoutera une lumière au-dessus, vous savez, les longues, là, qui dépasse un petit peu, c'est quand même très très joli et ça éclaire bien. Donc voilà pour la salle de bain, en tout cas la nôtre. Dans les autres pièces, ça va, il y a moins de questions à se poser. Je crois que je vous avais déjà montré un petit peu tout ça, en sachant qu'ici, ce sera fermé jusque là à peu près, on va mettre un bureau ou un truc comme ça. Ici, on a les toilettes, qu'on trouve très grandes, mais voilà, c'était nécessaire. Juste derrière, il y a le petit mur en fait, il y a un renfoncement dans la chambre de loup, qui est derrière ça du coup. Et là, on a les chambres, donc là, rien ne change. Ici, c'est très bien, donc là, pour rappel, il y aura un grand dressing. Là, il y aura sûrement le lit, tout un espace pour les jouets, un bureau et tout. Et là, si vous en souvenez bien, normalement, je vous ai passé le passage juste avant, mais la porte de Jade sera ici, vu que avec le système de la porte coulissante, vous pouvez pas la mettre au même niveau que l'autre. Mais ouais, là sinon, tout est bon. Et dans la salle de bain, ici, on a revu avec Romain. Donc là, il a dessiné un petit peu au sol. Il est venu un peu plus tôt cet après-midi pour regarder. Vous voyez, là, il a fait quelques petits traits au sol, comme ça. Parce que là, on aura du coup une baignoire 75 par 170, je crois, un truc comme ça. Donc là, comme ça, la baignoire, elle sera juste là. Et ce qui est bien, c'est que ça arrive à la même largeur que le mur, donc c'est pas trop biscornu ou bizarre. Donc ça, c'est bien, je suis contente. Du coup, ici, on a un passage de cette largeur qui est
bien suffisante. Et ici, on aura des étagères. Donc pareil que dans notre salle de bain. Donc une là et une là. Et comme ça, en bas, on mettra encore une fois des bacs de linge. Et là, on a de quoi ranger tout ce qui est serviette et tout. Et ici, on aura la double vasque. Donc juste là. Et le sèche-serviette. Hein? Ah, bah, je flouterai. Il faut regarder un dessin animé et un dessin. Non, mais dis donc. Un dessin, j'ai envie de regarder un dessin animé. Il n'y a pas de dessin animé le soir. On est arrivée, elle était toute contente. Je vais manger. Non, comme son père. C'est bon, faim. Je vais aller vous montrer en bas mes bébés. Toujours faim. Bon, tout petit changement, mais ils ont rajouté ce mur ici dans la cuisine. Du coup, ça, ce sera la largeur de la cuisine. Vu qu'après ça, il y aura l'escalier. Donc, c'est pas très très large. Vu que là, il y a l'espace pour la porte de la buanderie. Mais en soi, ça va, c'est correct. Vu que là, du coup, il y aura un meuble pour le frigo, le centre pour la vasque et un autre meuble comme ça pour des rangements. Plus devant tout là, il y aura la l'îlot. Donc, je pense qu'au niveau rangement, ça ira. Et on se posait la question avec Romain de la porte qu'on va mettre ici. Même Romain se disait que même ne pas mettre de porte, ce sera encore plus joli, mais comme il y aura les machines à laver, ce sera un peu chiant au niveau du bruit et tout. Mais il faut qu'on trouve une belle porte, quoi, pour que ça suive bien et que ça fasse bien. Et là, sinon, on a ramené les baies vitrées qu'on est allé chercher chez Brico Dépôt. On a pris 2m10, donc c'est pour mettre là. Et juste devant, il y a le contour, là, et le volet. Donc voilà, c'était la mission du jour. Comme ça, ils pourront avancer et mettre et faire tout ça, quoi. Pour vous dire un peu, on en a eu pour 500 pour la baie vitrée et 300 pour le volet aluminium, volet roulant électrique, ouais. Ça pique. On est le 2 juillet. Là, on vient de faire un tour à la maison. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce qui a changé. Là, honnêtement, aujourd'hui, j'ai même pas encore commencé à faire le montage de tout ce qui s'est passé ici. Mais là, ça commence à bien avancer. Pour vous dire, les ouvriers partent en fait en vacances tout le mois d'août. Donc, il va y avoir une grosse pause tout le mois d'août par rapport aux travaux. J'espère que ça va s'activer pour qu'on puisse y être fin août, début septembre. C'est ce qu'on veut être ici en fait à la rentrée pour que les filles puissent aller directement à la nouvelle école sans avoir à faire la route les matins, puisque dans tous les cas on va les inscrire directement ici, on va pas les changer comme ça au bout de quelques semaines, un mois. Donc ouais, prions pour être dans les temps et je vous montre tout ça. Comme d'habitude, je commence par l'étage vu que c'est là où je suis. Hop, donc là on est à l'étage, ici c'est notre suite parentale et il y a eu quelques changements. Bon, déjà ils ont posé les rails, vous savez, pour faire la penderie de Romain, enfin ses rangements, juste ici. Et ici, on va faire un rebord au-dessus du lit qui pourra servir en fait un peu de tête de lit si jamais. Et ici, on va mettre les prises qui seront au-dessus. Comme ça, on aura juste à... elles seront un petit peu cachées en fait. Et là, il y aura les interrupteurs pour éteindre la lumière. Mais ça, je crois que je vous l'avais déjà expliqué. Donc, il y aura la même chose de l'autre côté, une prise et un interrupteur. Et là, ça, le petit bout de mur là, ça a été un peu décalé. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais avant, il était un petit peu plus par là. Regardez, on voit les traces encore. Il était un peu plus par là et du coup là on l'a recentré par rapport à la pièce et franchement ça change déjà beaucoup. Et là on a un nouveau dilemme, c'est qu'en fait on a fait un rebord pour pouvoir mettre la barre ici pour pouvoir suspendre des vêtements, sauf qu'en fait on avait calculé 50 cm de base, donc jusqu'ici, pour avoir l'espace en fait suffisant pour pouvoir mettre des cintres tranquillement sur la tringle sans que ça dépasse. Et en fait du coup celui-ci est à 50, celui-ci est à 38 et c'est tout juste. Enfin, c'est pas tout juste, ça arrive nickel, mais par rapport au spot qu'on avait déjà placé auparavant, en fait, maintenant, ça va cacher en fait la lumière à cause de ces murs-là. Donc, à voir. On ne sait pas encore exactement comment on va se débrouiller pour ça. Vu que là, en fait, je voulais faire avoir cet espace-là pour mettre tout ce qui est manteau, robe, enfin, tous les trucs longs. Donc là, il y aura une barre et au-dessus, il y aura une étagère pour pouvoir mettre des sacs, etc. Enfin, des rangements supplémentaires. Donc voilà. Après, ici, pour l'instant, il n'y a rien. Ici non plus. Donc là, ce sera l'espace pour ranger, vous savez... il y aura des barres des deux côtés. Donc voilà. Dans la salle de bain, je crois que tout ça, vous l'avez vu. Ouais,
Ici, ça n'a pas changé. Voilà, ils sont en train de jouer en bas. Du coup, là, hop, on arrive dans cet espace-là. Ici, on a les toilettes. Donc là, ils ont continué un petit peu. Ça avance bien. Après, la chambre des filles, etc. Ça, ça va plus trop changer pour l'instant. Les portes sont... Ah oui, les portes sont arrivées. Je voulais même pas montrer. Enfin, elles étaient déjà là, mais je veux dire, ils ont commencé à les mettre. Donc là, ils ont mis... les contours de portes et on avait vu du coup avec les portes posées, on a pu voir ce que ça rendait. Franchement, ça rend hyper bien. Elles sont trop trop belles. Elles sont juste ici d'ailleurs. Ce sont les Madrid 2 de chez Leroy Merlin. Donc là, voilà. Franchement, ça fait trop plaisir de voir du vert à travers les fenêtres. Les enduits. Ah ouais, les enduits sont faits. C'est des grandes chambres hein, quand même. Au début, elle me paraissait petite cette chambre. Enfin, bof. Et au final, elle est grande, je trouve. Ah ouais, trop cool. Et ensuite, on va aller voir ce qui se passe dans la salle de bain. Donc là, je crois que je vous avais tout montré aussi par rapport au rebord et tout. On est allé acheter des trappes de visite, comme ça, pour pouvoir avoir accès à tout ce qu'il faut là derrière. Donc en, si vous vous rappelez bien, ici, il y aura les étagères au-dessus, comme ça là, où il y a les traits. Ici, il y aura la niche. Et bon, du coup, tout ça, je vous montrerai quand ce sera fait. Et voilà pour l'étage. Ça a bien avancé. Je pense que j'ai tout dit. On va aller voir en bas. Je vais aller voir le haut. Bon, sinon, là, ils ont continué à faire l'ouverture, vous savez, pour la baie vitrée et la lumière que ça apporte, ça fait trop plaisir. C'est trop bien. Donc, ça, c'est fait. Ici, cette porte-là, c'est une porte coulissante. Donc, vous savez, ça sera à l'étage, en fait, dans notre chambre et dans la salle de bain. Attendez. Non, dans notre chambre. Il y en a une deuxième, j'arrive même plus à me souvenir de où. Mais bon, bref. Celle-là, du coup, voilà. Et on se posait la question, en fait, les poignées, elles sont achetées séparément. Vous savez, le petit rond comme ça pour faire glisser. Du coup, ça, on le mettra après, si jamais vous posez la question. Donc voilà, trop cool. On a demandé là un devis pour les escaliers. Donc en sachant que là, on est du coup le 2 juillet, ça fait quelques semaines qu'on a demandé. Et il y en a un qui pourrait arriver à fin août, donc ce serait parfait. Et du coup, pour celui qui pourrait être fait pour fin août, on attend encore le devis. Et on a reçu un devis par contre pour l'escalier comme ça. Mais pour eux, ce serait fin octobre. Et je crois que c'était pour l'escalier, il y a deux quarts tournant pour par rapport à l'espace et tout, ça faisait 2005 ou 2007, c'est pas ça? 2007, donc ouais. Ouais, avec la totale. Donc ouais, on verra, mais j'espère que l'autre devis sera à peu près similaire et que on pourra avoir celui fin août. Ce serait beaucoup mieux parce que on y sera fin août normalement. Bon, bref, je vous montre un petit peu le reste. Il y a du monde ici. Le cousin est venu voir la nouvelle maison. C'est pas les mêmes genres de câlins. Et ici, du coup, ce sera le mur pour la télé. Je sais plus, tu m'avais pas parlé d'un truc quand tu m'avais appelé par rapport à en bas. Bon, là, ils avaient posé le mur, ça, je vous l'avais dit. Et après, en bas, ça a pas trop changé. Ici, ils ont fait... c'est quoi ça déjà, Romain? À la base, il y allait avoir le coffret électrique dans l'entrée. Et là, du coup, il a repassé pour que ça soit dans la plomberie. Ah oui, voilà. Ça, c'est une alimentation de la plaque qui se passe au niveau central. Ouais. Plus une prise qu'on avait dit là. Ouais. Ça, c'est le genre de détail que je retiens pas. Donc là, on a les toilettes. Ici, le petit renfoncement. Donc, ouais, comme je vous l'avais dit, on va voir comment on va l'agencer. Et la buanderie. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait tout le tour et je vous ai montré un petit peu les avancées. Oui, dame, dame. Bah, maintenant, on attend. Du coup, là, je vous reprendrai la prochaine fois pour vous montrer ce qui a changé. Et j'ai trop hâte. Déjà, je serai rassurée quand on saura et qu'on sera sûr pour l'escalier. Parce que ça aussi, j'ai trop hâte. Me mettre dans le jardin. Entendre les oiseaux. C'est trop bien. Bon, ça, c'est pareil. On a commencé à voir un petit peu avec des jardiniers et tout. Pour enlever tout ce qui est au milieu, là. On va juste garder le grand ici. Mais déjà, tout ça, on va l'enlever. Ça respirera un peu plus. Et tuk tuk tuk. La cabane qui est juste là, pour l'instant, on va la laisser parce qu'il y a tous les trucs de travaux. Mais on finira par l'enlever parce qu'elle est en plein milieu. On gardera juste le grand truc au fond. Ça peut toujours être utile, même s'il est vraiment très grand. Je sais pas si on le gardera longtemps, s'il restera vraiment là. Mais pour l'instant, genre pour mettre tous les vélos, la tondeuse, etc., c'est quand même pratique. Donc voilà, pour l'instant, là, notre terrasse ressemble à ça.
Bon, là, je peux vous dire que ça a bien avancé. Pas spécialement dans l'entrée, comme vous pouvez le voir, mais attention. Est-ce que vous remarquez la grosse différence? Ah, pour vous, il y en a plusieurs, parce que quand je suis repassée, j'ai pas filmé. Et regardez, c'est tout blanc. Tout est peint en blanc. Et là, on se rend encore plus compte des espaces. C'est fou. En fait, je crois qu'il y a plein de trucs que je vous ai pas montré, parce que je crois même que cette baie vitrée, vous l'avez même pas encore vue. Là, il manque encore l'escalier. Il vient début septembre, le monsieur. Mais regardez, c'est tout beau, tout blanc. Je suis trop contente. Bon, là, ça, ce sera plus tard. Parce que le permis de construire, en fait, c'est long. Parce que, ouais, du coup, nous, on doit demander un permis de construire, en fait, vu qu'on change la façade. Mais bon, je crois que je vous avais déjà expliqué tout ça. Et regardez, la buanderie, elle a avancé un petit peu. Pour l'instant, là-bas, c'est ouvert. Et en fait, on s'est rendu compte que ils essayent de voir comment on peut faire. Mais la porte, elle est trop basse. Vous savez, par rapport au carrelage, pour fermer et tout, ça, il y a pas du tout d'espace, en fait. Du coup, on doit voir pour la remonter un petit peu. Mais normalement, c'est possible. Mais voilà, le carrelage qu'on a choisi, c'est celui de chez Leroy Merlin. Il est pas très cher. Je crois qu'il est à moins de 15 euros. C'est sûr et certain, c'est le Santorini que je vous mettrai toutes les références de toute façon. Et voilà, ça a un petit peu avancé par ici. Ça, je vous l'avais pas montré. Ça fait un moment que Romain il veut une verrière, même à la maison. Il en a souvent parlé. Et du coup, on en a mis une ici vu que la cuisine elle sera sur ce mur là. Et ça pareil, il me l'a toujours dit depuis qu'on est là et qu'on savait que l'escalier allait être ici, qu'on voulait que la lumière passe en fait à la cuisine avec ce bout de mur. Donc voilà, petite verrière de chez Leroy Merlin. Je crois qu'on en a eu pour entre 200 et 250 euros. Et en fait, ça s'achète, genre, ça, vous choisissez, il y a par 2, 3, 5, 6. Et après, vous achetez les verres en plus. Mais au total, je crois qu'on en a eu entre 200 et 250, ouais. Donc voilà. Pour ça, ça ajoute une petite touche et ça change pas mal. Ici, on a la crapule qui est venue voir aussi. Oui, mais je fais attention quand tu montes. Qu'est-ce que t'en penses de la maison? Bien. Bien. T'es contente? Est-ce que tu la trouves belle? Tu vas nous montrer ta chambre? Ouais. Tu vas nous montrer ta chambre? Regardez le sol. Non, mais non, c'est on va faire un truc à la fenêtre. Donc là, c'est la chambre de Lou. Comme vous voyez, ils sont en train de mettre le parquet. Pour le parquet, on a choisi, surtout moi, parce que j'ai eu un gros coup de cœur dessus. C'est le chêne malte de chez Leroy Merlin. Bon là, il est tout sale avec la poussière et tout, mais il est trop 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 bon. Je suis trop contente. Regardez. Comment ça change fort. Oh, j'ai trop hâte. C'est trop 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 beau. Et ouais, ils ont tout peint en blanc. C'est la première couche, parce qu'après, il y en aura une autre. Mais... Ah oui, ça aussi, je voulais pas montrer. On a fait le rebord comme ça au-dessus du lit, ce dont je vous avais parlé. Par rapport à la taille, on l'a fait un peu à l'œil. Et par rapport à comme ça, là, on a regardé avec le téléphone pour voir comment on allait le placer et tout. Là, il y aura des prises. J'étais persuadée qu'il y avait un interrupteur comme ça aussi de l'autre côté, mais bon. Hop. Là, il y aura la petite télé. Dans le dressing, c'est pas encore terminé. Je crois que je vous avais montré un petit peu... tout ça. Et dans la salle de bain, pour l'instant, ils ont posé la natte. C'est ça, hein? Ouais. Natte de désolidarisation. Et on a choisi le carrelage pour la salle de bain. Je vous montrerai la prochaine fois parce qu'on l'a commandé. Comme ça, ça fait un petit peu de suspense. Parce qu'à chaque fois, je vous montre tout dès que c'est bon. Mais ouais, on se rend pareil, on se rend plus compte de la taille, je trouve. Et là, pareil, on est trop content. Ouais, on l'a choisi sur internet parce qu'on avait choisi un autre et au final, je sais plus pourquoi on n'a pas pu l'avoir. Et le premier choix qu'on avait eu en terrazzo, au final, c'était 50 euros le mètre carré. On s'est dit non merci. Donc voilà, on a choisi celui-ci. Et en fait, je sais pas si vous remarquez, mais c'est le même modèle qu'en bas dans la buanderie. C'est le Santorini, mais en gris. Et il est trop joli. Au final, je trouve que ça ressemble pas tant que ça, à part l'effet brillant sur le dessus, mais il est trop beau. Ouais, je trouve les nervures, c'est pas trop pareil. Bah, pas du tout, mais. Je trouve qu'il est plus beau lui, sur le fond. Ouais. Il fait classe. Oh. Ouais, il est beau. Gris, ouais, moi aussi. Trop beau. Trop, trop beau. Ouais, ça, c'est le Santorini. Et ça, c'était le coup de cœur de Romain. C'est lui qui les a choisis. Ce sont les portes Madrid de chez Leroy Merlin. Et je suis trop contente parce que ça va super bien avec le sol. Elles sont trop, trop belles. On n'a pas encore choisi les poignées, mais je pense qu'on les mettra en argent comme ça. C'est pas trop sombre par rapport au noir. C'est trop beau. Elles sont trop belles. On est content. Et dans les toilettes, bon, juste petit changement, mais on a rajouté un petit rebord comme ça. C'est pas spécialement pour poser le papier toilette et tout, je mettrai un rangement, je pense. Mais juste pour mettre quelques petites décorations. Tout est beau. Et je suis trop contente de ce parquet.
J'avoue que ça, je crois que la première fois qu'on est allé chez le roi Merlin, on l'a vu. Ce qui était exposé, vous savez, sur le mur. Tout de suite bien aimé. Et j'aime bien. Des fois, on est en allant voir ailleurs sans regarder le nom, sur qu'on était retombé sur le même. Oui. Pareil pour le carrelage du balai, on est retourné voir il n'y a pas longtemps. Et j'ai été attirée tout de suite par le même que la première fois. D'ailleurs, le carrelage du bas, du coup, ce sera effet parquet. On l'a pris chez enfin, encore qu'on aille payer pour réserver et tout. Mais dans tous les cas, ça arrive fin août, début septembre. Enfin, quand les ouvriers réattaqueront le chantier, donc dans tous les cas, ce sera pas avant septembre, mais il est choisi et j'ai trop hâte. Et puis d'ailleurs, je vous filme pas ma tête parce que comme vous voyez, il fait chaud et mon maquillage est très bon. Je suis trop contente. Trop contente. Regardez ce que ça fait d'ici, du palier. Là, je me mets à la chambre. Ça donne ça. Je suis trop fan. Franchement, je suis trop contente. Ici, il y aura un radiateur, juste là, pour chauffer un peu l'étage, parce qu'avec l'ouverture ici, au moins ça chauffera en bas, ça chauffera en haut. Et on a essayé de mettre les chauffages à des endroits stratégiques, mais bon, ça, ce sera à la fin. Même là, il fait sombre dehors, vous vous rendez pas compte, mais il fait hyper sombre et c'est lumineux, donc je suis trop contente. Regardez la lumière. Je suis fan. Trop bien. Bon, allez, on descend. Je me le dis là, comme ça, j'oublie pas, mais j'ai un petit pensé, parce que vous savez, dans les nouvelles maisons et tout, il y a toujours une odeur. Et je me suis dit que j'allais acheter une bougie et la mettre genre le premier jour où on arrive. Comme ça, ce sera un peu l'odeur de la maison. Et en fait, quand on a acheté, enfin, quand on a loué notre premier appart avec Romain, il y avait une bougie quand on a visité et quand on a emménagé. Et cette odeur, à chaque fois, ça me rappelle trop cet endroit et j'ai trop envie de la mettre ici aussi, parce que ça me rappelle trop des bons souvenirs et c'est un peu l'odeur de notre chez-nous dans ma tête. Et du coup, j'ai trop envie d'en acheter une pour la mettre ici. Donc, il faut que j'essaie de la trouver parce que je crois que je la vois plus dans les magasins. C'est juste une bougie glaze, je crois que c'est glaze, mais j'essaierai de la trouver pour cette maison. Ça me tient à cœur. Bon, je sais pas où ils sont. Je vous retrouve la prochaine fois.